Hey. Vous vouliez pas faire ça à l'église? Non. Mon frère dans une église, ce serait juste drôle. Mon Jimmy, des fois, c'est une blonde que ça prend pour passer à travers une épreuve comme ça. Ça m'inquiète des affaires de même. Il avait quel âge, Simon? 21. Pis toi? 23. Vas-tu dire un mot tantôt? Ce serait le fun. Non. J'ai rien pu écrire. Pour qu'un château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule. Simon était une de ses cartes maîtresses. Un de nos jeunes, un beau, un fort en plus. Il était notre espoir, notre cœur, nos bras, nos jambes. Notre brave Simon est tombé au combat. Mais nous ne perdons pas la guerre. En ma qualité de mairesse d'Irénée-les-Neiges, je tiens à rappeler la force qui anime notre vivre ensemble et dire l'harmonie qui règne sur ces terres fragiles mais paisibles. Oui, certains nous radotent que nos campagnes se vident, que nos villages font la queue pour devenir fantômes. Je vois vos visages éplorés aujourd'hui, certes, mais je vois aussi une belle résistance, une robustesse, une exaltation même, à s'accrocher et à exister. On n'est pas nombreux, je le sais. Vous le savez. La douleur est réelle. On va prendre du temps pour absorber le choc. Mais la vie continue, mes amis. La vie continue. Oui? Bonjour, Simone. C'est Gilbert. Gilbert? Gilbert Janois, de la MRC. Ah oui, Gilbert, bonjour. Terrible votre accident. Mes condoléances. Merci. Bizarre, non? Il y a une enquête? Accident, suicide, c'est quoi? Ouais, je le sais, le monde est sous le choc. De l'aide? Pourquoi de l'aide? De l'aide psychologique, Simone, pour les gens. J'ai une personne ressource qualifiée pour ce genre d'événement. Non, ça sera pas nécessaire, là. Simone, c'est pas à toi de décider ça. On règle nos bébites ensemble. On est une belle gang d'adultes. On se rappelle. OK, Gilbert? Simone. Merci. Le monde a écrit des belles affaires. Le monde l'aimait. Qui a décidé qu'enterrer, c'était mieux qu'incinérer? Maman voulait rien savoir de l'incinération.
Je sais pas pourquoi. Es-tu bien ici? C'est ça. Au village. Ah ouais, je suis bien. Pourquoi tu me demandes ça? C'est vraiment terrible ton frère. Hein. J'étais comme trop gênée de venir te parler au salon, mais j'avais vraiment beaucoup d'émotions pour toi et la situation. Hein. Je me disais, qu'est-ce que t'sais, on dit quoi dans ces situations-là? Puis là, j'étais sûre que j'étais pas bonne. Et je pleurais. C'est correct. Mais pas mal tout le monde pleurait, oui. Anyway. Ta mère, non, elle voulait pas venir à ce soir. Mais je comprends, dans le fond, qu'elle vienne pas, je pense. Moi, si mettons mon chum est mourant, ben, si j'avais un chum, là, je pourrais pas là, être dans une soirée comme elle, la soirée avec du monde. Là, c'est sûr, j'aurais comme paralysé. Ou alors, en tout cas, les gens auraient pu penser que j'aurais été capable de gâcher la soirée avec mon mère. Fait que c'est mieux de même, dans le fond, je pense. Si tu veux une bière, Adèle, on appelle en cuisine. André, merci, mais. Non, merci. Okay. Hey, en tout cas, c'était vraiment un beau geste hein, que la mairesse elle parle au salon. Moi, j'aurais pas pu, mais ton frère, là. Non, ça, c'est trop personnel. Il y avait ces démons, puis nous, on a les démons. Qu'est-ce que tu veux dire, Adèle? Ben, Simon, là, ces démons, c'est que des fois, là, son bonheur, je veux dire, Simon, il était pas heureux, je pense. Je m'excuse, dis-moi. Toi, comment ça va, Adèle? Ah, bien, ça va bien. Et puis, une chance, le village, là, il est assez serré, hein? Je me souviens pas la dernière fois que j'ai fêté le jour de l'an. Je reconnais plus le monde. Je connais personne. Ben oui, tu les connais. J'ai fait le tour de mes boîtes à bijoux pour mon garde-robe, ça m'a pas regretté. Mais non, Loulou, il n'y a rien à regretter. Mm-hmm. Mm-hmm. Qu'est-ce que je fais avec la bouteille? C'est un peu tard. Il avait dit de rien amener. Si j'allais juste la mettre sur le buffet avec les plats. Là. Ah. Mais il saurait jamais que c'est notre cadeau, hein? Est-ce que t'as? Hein? André? André, de quoi? Un party? T'es belle, la même. Qu'est-ce que tu cherches? C'est fun. Hey. Merci. Thank you.
OK, tout le monde! Tout le monde! Ça s'en vient! OK, je triche un peu, je nous passe ça à 15 secondes. 15! 14! 13! Bonne année, Gisèle. C'est pas normal ce qui est arrivé à Simon. Gisèle. Mon gars s'est pas suicidé. Mon gars s'est pas suicidé. Faut sauger la maison. Quoi? Je vais purifier la maison. T'as pas le goût d'aller au party? Changer les idées? Non. Quand même pas. Je vais aller prendre l'air. Acheter des cigarettes. Gisèle, c'est moi. Rappelle-moi pas, je réponds pas. C'est rien contre toi ni contre Jimmy. Je vais revenir. Je suis pas calme. Je suis correct. Juste besoin de... besoin de me replacer en dedans. Simon, là, donne-moi un signe. Je sais que tu m'as pas laissé tout seul. C'est une bonne idée que t'as eue, ma loulou. Bonne résolution sur la raquette. Je retiens que c'est bon. Ça tient dans les jambes. Bon pour ton cœur. Une petite game de dard à soir. Des gens maudits, t'es jamais dans le moment. Là, on fait de la raquette, bien faisons de la raquette, maudit. On verra plus tard. Allô? Allô?
paye pas pour ça. Mal au cœur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est peut-être un loup qui s'est trouvé un lunch. Ben, des chasseurs qui ont jamais retrouvé leur prise. Une plein de petites bombes dans la région. Peut-être eux autres. Voyons, Louise. Où ça, des bombes? Depuis quand il y a des bombes dans la région? Voyons, Louise. Tu me reprends tout le temps. On va arrêter ça là, hein? Qu'est-ce qu'on fait, j'aime pas ça? Allô, Jimmy? As-tu perdu quelque chose et t'es venu le chercher? Attention, Jimmy, c'est plein de bactéries, ça. Depuis la fin de ton frère, on sait plus. Tout se peut. Comment ça, tout se peut, Louise? Le monde est viré à l'envers. Qu'est-ce qui est viré à l'envers, Louise? Voyons, Louise. Jimmy! On va aller jusqu'au chalet, puis trouver un surveillant. On va lui dire ce qu'on a vu. Il va savoir quoi faire, lui, hein? C'est des affaires qui arrivent. C'est ça, la campagne. Les lois de la nature. Bon, ben, go, loulou, on y va. À bientôt, mon Jimmy. Bonjour à tes parents. Bye-bye! Simon, j'ai pas le temps de niaiser. Là. 5 secondes, donne-moi un vrai signe. Vous avez du thé vert? Ouais. Merci. Voulez-vous... Allez-vous vouloir manger ou... Ah non, merci. OK. Le village, c'est 215 personnes. Seulement 215. Et je connais chacune de ces personnes. J'en doute pas, madame. C'est tout en votre honneur. Comment tu... Vous vous appelez comment, déjà? Yasmina Bouzidi, madame. Puis c'est Gilbert qui vous... Vous venez de Montréal, vous, hein? Oui, mais on m'envoie régulièrement dehors. Ah, ben oui, c'est ça.
On est en dehors, nous autres. Ben, c'est pas ce que j'ai voulu dire. J'ai pas dit oui à Gilbert. J'ai pas du tout dit oui. Ah? Les gens vont bien. Un drame comme celui qui a secoué votre petite commune. Les gens savent que ma porte est toujours ouverte pour eux. L'humain s'adapte. L'humain s'adapte au pire coup, ma petite demoiselle. Les gens d'ici sont fiers, puis ils reprennent déjà leur routine. Je vois très bien que vous les aimez, madame. Oui. Permettez-moi de quand même vous proposer quelque chose. Non, ça va être complet pour aujourd'hui. Complet? Oui, complet. En tout respect, on n'a pas besoin de votre aide. Bon, d'accord. On est soudés ici, madame. On règle nos problèmes ensemble. Je vais parler à Gilbert. C'est un malentendu. Je ne sais pas si le repli est la meilleure des attitudes à adopter. Au revoir, madame Smallwood. Jeannois. Gilbert, s'il vous plaît. Allô? Thank you.
impressionnant. Moi, c'est James. Comment? James. Comment vous appelez? Gisèle. Je suis la mère de Simon. Qui? Simon. Simon Dubé. Je connais pas. Il travaille au garage. Je connais pas, là. Je suis pas du coin. Penses-tu qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autres, James? De plus grand que nous autres? Ouais. Quelque chose qui nous dépasse. De plus grand. Qu'on peut pas voir, puis pas comprendre. J'ai pas même le temps de penser à ça, Madame Gisèle. Surtout pas à soir, en tout cas. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose qui va pas, Madame Gisèle? On viendra quand on pourra rentrer. Check la vieille table à café. C'est une antiquité. Check les moulures. Tout est vieux, Pierre. C'est bien beau. T'aimes pas ça? Oui. Et lugubre. Je t'ai dit, on va aller visiter une maison. T'as dit oui. Au bout de moitié dans le char, on arrive ici à la petite plamante. Je boude pas. Hey, c'est sûr qu'elle est mal isolée, ta vieille maison. Je gèlerais le cul. Y'a pas de panneau à vendre. Personne ne s'est acquis. Ouais, tu viendras juste l'été si t'es pas contente. Tu verrais la peine, ouais. T'es bien bête. On a pour des mille à retaper ça. Ouais. Ce sera mon argent. Ouais, ton argent. Merci de me laisser le mien pour mes projets. Fait là, c'est chez nous ici. Ah oui? Eh oui. C'est la bâtisse là-bas, là, c'est chez nous. Ah, je m'excuse, monsieur. As-tu besoin de quelque chose? Ah non, je vais reprendre la route, là. Y a-tu un motel pas loin? Ah, je sais pas si. Si c'est ouvert. Mais faudrait que tu continues de l'être.
pour au moins une dizaine de mille là, en tout, je pense. $15 pour la canisse de gaz. Merci. Comment ça s'appelle ici? 5 Colombiers. Comment? 5 Colombiers. Êtes-vous tout seul? Mon garde-malade vient me voir au moins 2 fois par semaine. Là. Pour l'épicerie et les affaires. Ou des enfants? Mon fils est mort il y a 2 mois. Sympathie. Comment vous faites pour passer à travers? Je sais qu'il va me revenir. Merci pour le thé et pour la gaz. Je vais y aller, moi. Il va revenir. J'ai confiance. Mais Romuald a des engagements envers sa famille. Il peut pas juste partir comme ça. Mais oui. Si on ressent le besoin. Puis Jimmy? Jimmy! Allô, Jimmy, ça va? Bonjour, Madame Smallwood. Ça va? Laisse-toi. Mon garçon, tu sais que s'il arrive quoi que ce soit, ma porte est toujours ouverte. Hein? Travailles-tu cet hiver? Ah, la mienne a fermé. Oui, mais tu cherches-tu autre chose? Psychologue, médecin, mairesse, je suis là. Les gens sont là. Enfermez-vous pas dans le silence, hein, Gisèle, OK? Que ton père soit parti, ce que... Vous faites quoi avec le corps de Simon pendant l'hiver? Le corps est gardé dans une annexe à l'église. Il va être inhumé au printemps. Quelle annexe? C'est la remise du jardinier. On garde le cercueil là en attendant. Pourquoi? Je peux-tu aller le voir? Malheureusement, on n'ouvre pas ça au public, Jimmy, je m'excuse. Simon, c'est... notre premier décès depuis une éternité. On n'est plus habitué. Il y a un deuil à faire. Ça veut rien dire, ça. Ben oui, ça veut dire quelque chose. C'est une étape. Puis il faut qu'elle soit bien faite. Gisèle, mes gars m'ont dit qu'ils t'ont vu flâner en carrière. C'est vrai, ça?
Tu peux pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? J'ai le droit d'aller me promener au village, non? Oh, et te promener, oui. Mais pourquoi tu fais ça? C'est dangereux. Je le ferai plus. Viens me voir si tu t'ennuies. On prendra des cafés, on jasera. Allô, Camille, c'est Adèle. Oui, oui, ça va bien, toi? Vous autres, avez-vous ça de l'électricité au restaurant? Ah, OK. Ah non, ben moi, c'est plus le froid là, qui dérange. Là. Moi, ça fait 4 heures. Oui, c'est moi que c'est vrai que moi j'ai peur de beaucoup de choses souvent, mais que j'ai pas raison. Là, le truc, c'est de se coucher de bonne heure puis d'espérer pour demain. Oui. Fermez-vous le restaurant? Ah. Tu chantes bien? Ah ouais. Pas qu'un drôle, la mairesse. Connaissez-vous la vieille maison au bout de la 186? La dernière du village, ben oui. Je convaincrai jamais Camille, mais elle m'intéresse. Moi, je toucherai pas à ça. Il y a une mauvaise énergie dans cette cabane-là. Ben voyons donc. S'il y a plus personne dedans depuis tout ce temps-là, ça doit vouloir dire qu'il y a plus personne qui paye de taxes depuis tout ce temps-là, hein? C'est une façon de le dire. Tout d'un coup, que quelqu'un se mettait à payer des taxes, juste des taxes. Genre un beau grand brun qui commence à grisonner, puis qui va enfin arrêter de se promener avec son maudit poignard. En plein lui. Fais donc ce que tu veux. C'est bien qu'on neige, on s'arrange en nous autres. Message entendu, merci. Excuse! As-tu encore besoin d'une lumière ou je fais fermer? Comme ça, pas toute ta batterie. Ça a une histoire, quoi. Hiver 83. Jean-Baptiste Sanson, dépressif. Il a tué ses 4 jeunes enfants. Puis il s'est tué. Dans la maison. Content? Personne t'a jamais raconté ça. Non.
Prends ton temps. André. Ouais. Viens-t'en. Penses-tu qu'au printemps, ils vont vouloir qu'on mette son stock d'hockey dans le trou? Ça doit. C'est pas une grosse demande, puis en plus, c'est fucking romantique. Simon. Qu'est-ce que tu fais? Hey, tu soupires pas, Chris! Soupire pas! Simon. Simon. Comment tu vas, mon gars? Pourquoi tu fais ça? Quelque chose. Tu peux-tu te prendre dans mes bras? Tasse, 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 tasse.
J'ai pas de destination. Bien dormi. As-tu froid? Simon, viens t'asseoir en avant. Non, je... Simon! Simon! Peux-tu me débarrasser des cartes? Tu peux les jeter. Il n'y avait personne avec toi quand tu lui as parlé? Tu me crois pas, hein? Ouais, ouais, je te crois. J'étais toute seule. J'ai pas eu peur. C'est réconfortant de penser que les morts veillent sur nous. Oui, ma loulou. Regarde dans le champ. C'est qui? Je pense que c'est Adèle. Tu sais, la petite BS, là.
bonne place pour marcher, ça. T'espionnes, ma loulou? C'est drôle. C'est elle qui marche, j'espionne pas. C'est pas bien, bien fin, ça, la poupée. C'est pas une mauvaise fille, mais des fois, on sait pas trop, hein? Richard! Adèle, tu sais, il manquait un peu de bacon dans le club sandwich. Richard, bon! Allô? Hey. Allô? C'est quoi ton déguisement? T'es-tu un petit gars, une petite fille? C'est correct, petit gosse. C'est correct. Des silhouettes. Oui, oui, des gens qu'on connaît pas, là, que je connaissais pas. Nous autres, on sait pas. Elle est arrivée chez nous en panique. S'il te plaît. Combien de personnes? Combien de silhouettes? Je dirais le chiffre de 15, peut-être 25 qui en avait des silhouettes. Tu vas rester ici, chez toi. Tu vas dormir, te calmer. Est-ce que tu prends des médicaments? Des fois. Dis-nous ce que tu prends. Zoloft, Lexamil. C'est tout? Non, une petite pilule bleue aussi le soir. Adèle, penses-tu que de l'aide psychologique,
Si jamais il y a quelqu'un qui te veut du mal, on va trouver. OK? Oui, OK, madame Iris. Ce soir, Adèle, si t'as peur de rester ici toute seule, tu viens manger chez nous, puis tu vas dormir chez nous. OK? Oh, ça, c'est gentil, Louise, là, de votre part, là, je veux dire. Adèle, si t'en vois d'autres, des silhouettes, je veux savoir. C'est correct, ça? Correct. OK. OK. Correct? Ouais. Simon, il y avait plein de monde qui l'aimait autour de lui. Il s'en apercevait pas. Pourquoi il a fait ça, tu penses? Comment ça, pourquoi il a fait ça? C'est un accident, calice, là. C'est correct, André. On peut arrêter d'en parler comme un accident. On le sait pas, Jimmy. Mais oui, on le sait, man. Tu le sais, je le sais. Il était tanné, c'est tout. Ça s'explique pas. Il m'avait dit qu'il voulait aller en ville, mais il était pas trop sûr comment organiser ça. Tu sais, moi aussi, j'ai déjà eu envie de rouler vite puis de donner un gros coup de volant. Comme ça, de même, sans raison. Ça m'a passé. Pas lui. Thank you.
Hey, boss. Boire de la bière, ça me fait péter puis dormir. Ben, pète, c'est faut que tu pètes. Pourquoi t'as tout le temps ton couteau sur toi? J'ai un réflexe de l'armée. Je le cache quand je sors du village. Peux-tu le voir? Cool. Jusqu'à quel âge on peut dormir la bouche ouverte sans que ça ait l'air fou? Des fois, il n'y a pas de raison, mais j'ai tellement peur que je sens que mon corps, je vais sortir de mon corps. Tu comprends, Louise? Tu comprends, Richard? Qu'est-ce que tu veux dire, Adèle? Des fois, je suis ailleurs. Ailleurs? Oui. Je me sens bien, bien haut dans les airs, là, puis je vois tout le monde. Tout le monde a peur, tout le monde panique. Puis moi, je suis au-dessus de tout ça, mais j'ai vraiment peur aussi. Là. Adèle, sais-tu de quoi t'as peur exactement? Mais si je ferme les yeux fort, si je respire fort, longtemps, ça arrête, puis ça s'en va. T'es probablement des peurs irrationnelles. Des phobies? Ça se traite? On peut t'aider à trouver de l'aide, si tu veux. Peux-tu te poser une question, Louise? Bien sûr, ma chérie. C'est quoi irrationnel? Ben, une peur irrationnelle, c'est une peur qui s'explique pas. Un peu comme être angoissé à l'idée de prendre l'ascenseur. C'est pas logique. Tu comprends? Moi, Louis, j'ai pas peur des ascenseurs. Simon? Mais là, parle-moi, man. Je m'ennuie. Tu veux pas parler? Qui eux autres? Qu'est-ce qui se passe?
Richard? Louise? Depuis que Simon est parti. Je sais pas. Salut tout le monde. Mon frère est mort. Tout le monde le sait. Il m'est apparu l'autre soir. Ben ouais, OK? C'est comme ça. Je l'ai vu à patinoire. Je lui ai parlé. J'aurais pu lui toucher. Il était devant moi comme je suis devant vous autres. J'ai eu la chienne de ma vie, mais j'étais content de le voir. Ma mère aussi, elle l'a vu. Merci beaucoup, Jimmy. Nous avons de... bonne raison de croire que les étrangers qui apparaissent à Irénée les Neiges sont des gens qui ont vécu et qui y sont décédés. L'histoire de l'apparition de Simon n'est malheureusement pas farfelue. Voici une photo de M. Jean-Cyprien Lamontagne, prise la semaine dernière. Les registres confirment que M. Lamontagne est décédé ici en 1981. Monsieur Joseph Morin, mort l'an dernier à Saint-Clément. La photo a été prise par sa femme. Aussi confirmée par les registres, ceci est une photo de Madame Églantine Réginald, mortelle il y a plus de 50 ans à Rivière-la-Chasse. Les autorités sont au courant et la situation évolue rapidement. On ne rapporte aucune violence. Tous les témoignages concordent. Les silhouettes où les étrangers sont vus à bonne distance, de jour comme de soir, toujours dans le village où ils ont principalement vécu. On parle à la radio. Je vais récupérer les microbes, ce monde-là. Mais moi, j'ai pas peur. Personne ne te demande d'avoir peur, Marianne. Les questions se bousculent dans nos têtes. On vous dit ce qu'on sait. Ça, c'est à la grandeur du Québec, M. Janois. Non, monsieur. Pour le moment, les témoignages viennent seulement des régions hors des grands centres. Oui, encore, yes. Oui, c'est comme ça. On vous communique tout ce qu'on sait. Ben moi, je te crois, Jimmy. Les fantômes, les morts, là, on s'en fout. C'est pas pour qu'on reste ici dans des petits trous perdus à avoir peur, là. À quoi on s'accroche? Ça, c'est juste une opinion, Camille. Regarde, Simon, il pensait de même aussi, là. Vous avez le droit de tout penser noir, si vous voulez, OK? Ben moi, c'est comme ça que je le prends, le problème. La mine a fermé, le monde travaille plus, puis il y a une petite étrangère qui vient me dire que les morts reviennent. Voyons, esti! Je pense pas noir, je pense clair. Mes amis, je pense qu'on mélange les affaires, là, s'il vous plaît. Ben pas tant que ça. S'il vous plaît! Puis vous, Madame Simone, vous en pensez quoi, là?
On fait quoi? Je suis la mairesse, André. Je suis la mairesse. Je reste là. Je suis là, puis je reste là. Je suis comme toi aujourd'hui. Je comprends pas tout, mais je veux comprendre. Gilbert. Bon, c'est inutile d'étirer l'assemblée d'aujourd'hui. Ceux qui veulent s'informer via la télé ou les médias peuvent le faire, bien sûr. Vous allez probablement continuer de voir ces apparitions. La consigne, c'est de rester calme et d'essayer de vivre vos vies comme d'habitude. Je l'ai trouvé de même hier. Hey! Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Je m'excuse. Je pensais que la maison était... qu'elle était plus habitée. Je vais vous laisser tranquille.
là, vous êtes tatane, je sais que c'est ma fête. Bonne fête, Jimmy! Bonne fête, mon beau garçon. Merci, maman. Mais là, pleure pas pour ça. Fête, mon chum. Merci, maman. J'ai pas trouvé 24 chandelles, j'en avais plus. Non, c'est pas grave. Fais un vœu. T'en es-tu un, ça? Je pense que oui. Qu'est-ce qui arrive si on essaie d'en tuer un? André. André, j'ai parlé avec Jimmy. OK. Pour un temps, on va s'en aller à Québec. On a de la parenté. Hein, Québec? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Ça nous ferait trop de peine de revoir Simon. Ça ferait mal, on n'est pas bien. Je vais être avec Jimmy pour me calmer, pour se calmer. Ils ont dit qu'en ville, il n'y en a pas. On est calme, là? Jimmy Collis, laisse-moi pas ici. Mais viens. Viens avec nous autres. Vas-tu revenir? On va te donner les clés de la maison. Tu viendras t'installer? Non, vas-tu revenir? André, je ne sais pas à quoi te répondre, OK? C'est pas contre le village, c'est pas contre toi, tu comprends? On fout deux autres, moi. Je change rien à ma vie. Tout ça, des pilules pour dormir. Ça se trouve. Pourquoi tu veux ça, mon gars? Pour dormir. Elle est belle comme ça. Être en paix, on dirait. T'avais raison pour la maison. Elle est un peu lugubre. Tu l'aimes plus? C'est trop de job. Ça va me coûter un bras et une jambe. Qu'est-ce qu'on va faire, Pierre? Ensemble, l'avenir? Tu veux pas rester ici, hein? Toi? J'ai 43 ans. J'ai le restaurant, j'ai des projets, j'abandonne pas tout ça ici. Camille, je t'aime. Je vais aller où tu veux aller. Je sais que t'aurais voulu entendre ça.
Qu'est-ce que vous voulez? Griner les neiges, c'est à nous autres. C'est moi. On est en vie, comprenez-vous? On est en vie. Ça va peut-être passer. Peut-être. Si on passe juste au monde qu'on connaît, ça va être mieux. Ceux qu'on connaît, on leur fait confiance. Mais si on y pense, là, d'une certaine façon, c'est du monde comme nous autres. Un homme, Charles. C'est pas du monde comme les autres. Ben moi, je le vois de même, mon amour. Pas chier, mon chum. C'est quoi ça? Je voulais te le donner à ta fête, là, mais... J'étais trop en crise quand j'ai su que vous partiez. T'es caf. Ton skidoo? Mais là, man, t'es fou. C'est cher, un piston. Mais non. André, je vais revenir, OK? N'inquiète-toi pas. Attention à toi, OK? Va chier pareil.